Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Crins de Mamouchka. Donc je vous fais une autre carte avec du rose encore, avec un petit renard cette fois-ci, un joyeux Noël, toujours en frésia, c'est frésia en fleurs. Donc la carte a fait 14, hop, le papier cardstock il fait 14, 8 sur 10,5. Le papier décor que j'ai déjà collé pour gagner du temps fait 14, 1 sur 10. Voilà. J'avais oublié dans la vidéo d'avant que, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai mis à quelques endroits, j'ai mis du Wing of Stella. Je l'avais dit, puis j'ai carrément oublié. Donc, hop, pardon, je passe devant la caméra. Donc, ces deux cartes, plus celles que je vais faire, vont pour le centre de qui reçoit des enfants qui n'ont pas la chance d'être avec leurs parents le soir de Noël. Voilà. Donc, j'ai pris un papier blanc. Donc, ce papier blanc, il fait 8 sur 11. Voilà. Que je vais ancrer en fraisier en fleurs. Donc, il sera à ce niveau-là, comme ceci. Je pense que je vais mettre ma carte comme ça. Pour cette fois-ci, je vais arrondir les bords. Tiens, je pense que je vais arrondir les bords, oui. À ce niveau-là, je vais mettre un nœud sur le haut. On verra à la fin. Donc, j'arrondis mes bords. Voilà. C'est pareil, ce sera encore une carte simple, moi j'aime bien quand c'est simple, donc voilà, donc j'arrondis mes bords, pardon, voilà, donc cette vidéo est toujours tournée le 12 décembre, donc je vais pousser ma base de cartes, parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Alors je vais prendre mon pâte d'encre fraisia en fleurs. Et j'ai pris ma brosse à estompe de couleur pour les couleurs roses. Donc je vais passer ma brosse à estompe dessus. Alors j'appuie pas plus que ça, hein. Je fais. Je laisse la brosse faire. Je vais faire un fond. Donc l'étiquette, c'est toujours le même papier, enfin la même forme d'étiquette, hein, légèrement carré. Voilà. Évitez de mettre mes mains dessus. Donc même si j'ai un fond en vert, je mets toujours un papier, je sais pas pourquoi, c'est un coup de lingette sur le fond en vert, ça marche très bien, mais moi je mets toujours un papier, l'habitude que j'ai prise. Voilà, donc par endroit c'est un peu plus foncé, par endroit c'est un peu plus clair, donc hop, voilà, j'ai décidé de faire un fond. Donc ça c'est bon, je nettoierai mes ustensiles après. Maintenant je vais prendre c'est des petites fioles comme ceci qu'on a eu chez Stampin' Up un temps, voilà, qu'on met dans de l'alcool et je vais vaporiser. Alors là il y en a partout après, donc faut faire quand même assez. Voilà. Donc voilà, vous voyez, c'est tout. Oh, j'ai mis trop près peut-être. J'espère que ça n'a pas reçu de produit. Je pense pas. Voilà, il y en a, j'en ai partout. Je vais laisser sécher. Un petit coup là parce que c'est venu jusque là. Là, je me fasse un petit truc pour pouvoir le mettre dessus. Donc, vous voyez, il y en a sur la feuille. C'est pas grave. Voilà,
Donc je vais laisser sécher en attendant. Ça, on va préparer mon étiquette. Donc du coup, ah ben, j'avais préparé tout, c'est là. Voilà. Et l'autre, du coup, je l'ai utilisé. Donc je prends cette perforatrice ici. Hop, désolé pour la lumière. Voilà. J'aime beaucoup cette perfo. Ouais. Donc, je vais ranger. Ça évitera que ça traîne. Cela, je l'ai déjà fait. Donc, je vais préparer l'étiquette. Alors là, je vais faire comme ceci. Je vais faire l'inverse. Non, simplement. Comme ça. Alors, hop. Donc, je prépare la petite étiquette. Ça a le temps de sécher. Voilà, là, je laisse toujours un petit peu dépasser. Voilà. Toc. Donc je vais faire mon nœud. Bon, c'est pas compliqué, hein. Je fais comme si je faisais un nœud sur mes chaussures, hein. Je prends pas de. Je dois avoir, je sais plus où, mais je dois avoir la façon de faire machin et tout. J'ai jamais rien compris. Donc moi je fais comme je faisais avant, d'avoir le matériel. Ils sont peut-être pas parfaits, mes nœuds, mais bon. Voilà, toc. Voilà. Donc je couperai éventuellement mes ficelles qui pendent après. Donc ça a le temps de sécher. Ouais. Alors ma carte va être dans ce sens-là. Donc je vais mettre mon papier rose comme ceci. Voilà, donc je le marque. J'arrive au bout de j'y crois pas, j'arrive toujours au bout de mes. Il est périssable au moment où je fais une vidéo. Voilà, ça a un petit peu gondolé le papier, mais bon, c'est pas grave. Donc j'avais idée de mettre mon nœud à ce niveau-là. Voilà, comme ça, comme ceci. Donc là, je vais y mettre deux petits nœuds. Deux petits dimensional, mini dimensional. Et ben, je pense pas que je vais enlever le surplus du nœud. Voilà, comme ceci. Je vais voir après, je verrai. Ici, à ce niveau-là, je vais coller. Je vais coller mon. Est-ce que je le mets en 3? Je la mets en 3D ou pas? Non. Non, je vais la laisser comme ça. Donc, hop. Je vais mettre. En plus les pousse-toi toi, voilà, comme ceci. Coller les petits nœuds avec. Voilà. Si je quand même être obligée de couper un petit peu. Donc maintenant je vais rectifier. Voilà, comme ça, ça fait mieux quand même. Essayer d'être à peu près pareil. Voilà. Voilà, donc. Mon petit renard qui va être là dans le bas. Donc je vous dis un carte très simple. Voilà, lui, je vais le mettre carrément dans le bas là. Hop.
J'ai ma tasse à café, je vais finir par mettre un pot de colle dans ma tasse à café. Je regarde toujours ce que je fais, si je fais pas de bêtises parce que je me connais. Et puis après, je vais y mettre mes petites perles comme ceci. Donc ce sont les petits joyaux incolores qui vont avec les pattes d'encre, les feuilles et tout. Tout est de la même collection 2021-2023. C'est des couleurs qui sont assez sympas. Donc je vais en mettre deux grandes là. Voilà. Alors je la mettrai en plus petit, je pense, sur la. Je vais en mettre une ici et une plus petite pour montrer que c'est une Madame Renarde. Voilà. Donc voilà ma carte toute simple. Pailletée, hein, elle est pailletée. Ça peut être bien pour une petite jeune fille. Les paillettes, et là je vais mettre du Wink of Stella sur l'écharpe, sur le rose de l'écharpe, pour faire ressortir. Et je vais arrêter là aujourd'hui parce qu'il est quelle heure? Midi, presque midi et demi. Il faut que j'aille m'occuper de mon repas quand même. Bon, ça va aller vite, hein, c'est une tartiflette, donc ça va aller assez vite. Voilà. Un petit peu là. Hein. Un petit peu de pailleté un peu partout. Voilà. Pour une petite jeune fille. Donc voilà. Voyez les petits brillants. Ben, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.